The weather forecast with MTN. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to a fresh week. And thank you for making our time to be part of the weather forecast once again. I trust you had an excellent weekend. Today we may experience across the nation a really bright weather condition characterized by sunshine, so you may want to be sported in light clothing. And temperatures would get as high as 37 to 38 degrees in the north and far north regions. The southwest getting a maximum of 36 degrees, and more than half of the nation, including the Adamawa, center, east, south, west, and the northwest regions, would get as high as between 30 to 33 degrees. In detail, we take you to the center region, where it would be exclusively sunny this afternoon in the entire region, and by evening, no showers are expected in the entire region with temperatures as low as 22 degrees. Next, we move on to the far north region, where we may have sunshine dominate the entire region this afternoon, and by evening, no precipitation is expected with temperatures as low as still 22 degrees. And we end with the west region, where we may expect sunshine to dominate the entire region this afternoon, and no chance of precipitation by evening with temperatures as low as 17 degrees. So I encourage you to make our time and go see what the Ngwendam Lake looks like. Thank you for watching, and have a nice day. Monday, the last day of November 2020. Hello, you're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Sidon Monkam. Bonjour, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur la CRTV. Au sommaire du 12h de ce 30 novembre 2020, une nouvelle ère s'ouvre à l'organisation du sport militaire en Afrique. Osma Maïkano Abdoulaye, le nouveau président de cette institution, prend officiellement fonction ce lundi au cours d'une cérémonie qui a cours à son siège à Yaoundé sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomol. Au point de cette cérémonie dans le 12h. Également dans le 12h, loi de finances 2021, le balai des membres du gouvernement se poursuit devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Dans ce journal, parole au ministre des enseignements secondaires et du travail et de la sécurité sociale qui défendait hier dimanche leur budget. Également dans le 12h, la page magazine nous vous conduisons en excursion pour découvrir le rocher Cobra de Boboyo dans le Mayokani, région de l'extrême nord. Cette merveille de la nature attire chaque jour de nombreux visiteurs et touristes. Prenons rendez-vous en fin de journal pour cette découverte. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Good afternoon once again, and thanks for your kind attention. The new president of the Organization of Military Sports in Africa, Nigerian-born Brigadier General Maïkano Abdoulaye, is presently being installed into his function at the headquarters of military sports here in Yaoundé. The installation is presided at by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Assomol. The new OSMA president has been urged to put his rich military experience at the service of this military organization. As you can see in the images there, Brigadier General Maïkano Abdoulaye has expressed his readiness to work closely with his collaborators in order to promote the activities of OSMA. The outgoing president of the organization has called on OSMA officials to collaborate with his successor, and we'll be giving you the details in our subsequent news editions. And we now take you to the northern parts of the country, where elite and traditional rulers of the northern regions of Cameroon have vehemently condemned the movement dubbed 10 Million Nordists, championed by one of their sons. The elite renewed their commitment and support to President Paul Biya's vision of development during a meeting presided over by Paula Tanganji, Minister of Territorial Administration. Constantine Baum has the details of that meeting in the following report.
Another busy day for Minister Paul Afanganji in the Far North region as the territorial administration boss is attending a mega meeting of more than 100 first class and second class chiefs from the three northern region. The traditional rulers are meeting with their supervisory boss to forward their total support on the visions of the head of state, with them strongly condemning the movement of 10 million Northeast. And we are also confident on what government is doing over us, and we will go on with this confidence. We are here as a traditional ruler. We are here to accompany the politics of the head of state. Youths from the three northern region added their voices, with them appreciating what the head of state keeps doing for the region. Not matter of destabilize our region, to invite and rise together for the peace in Cameroon. Territorial Administration Minister will channel the respective motions of support signed by more than 10,000 key persons to the head of state. It is where the regions of the far north, the north and Adamawa, have clearly sent a powerful message, as well as the youth, that they totally support President Paul Biya. It is worthy to note that the 10 million Northeast movement were banned on November 18, 2020, as the activities are a threat to peace and security. A news from Parliament reveals that the Ministry of Secondary Education will in 2020 create distance education centres throughout the national territory and promote the Clean School campaign. This with a budget of 388 billion CFA francs defended before the Committee on Finance and the Budget of the National Assembly. Meanwhile, the Ministry of Labour and Social Security, with a budget of 5.4 billion CFA francs, will promote decent work and combat child labour in the country. Esther Kima has the details. 388 billion CFA francs for the Ministry of Secondary Education, with the second largest budget of the 2021 fiscal year. The challenges abound, and with the coronavirus influencing teaching schedules and procedures, distance education centers will be set up. We had never done distance education at the secondary level, and so to bring it like that, just as a reaction to COVID, is very important. I have to train the teachers. The reinforcement of the Clean School campaign to curb drug abuse and violence is envisaged. We should do surveillance cameras, first of all, so that we can follow them wherever they go. And we are cleaning the toilets, because the toilets are sites for those violent things. And we're trying to make sure that all the toilets look like any classroom anywhere. The social security coverage through the creation of mutual aid funds and the improvement of labor protection will be amongst the priority projects in the 5.4 billion CFA francs apportioned to the Ministry of Labour and Social Security. Promoting social security for the greatest number, improving decent work, and third, good governance in our subsector. The fight against child labour through the implementation of the National Plan of Action for the elimination of all forms of child labour in Cameroon shall witness an acceleration. Merci d'être avec nous sur la CIA TV, mesdames, messieurs. Nous restons à l'Assemblée nationale, où le balai des membres du gouvernement devant la Commission des finances et du budget se poursuit ce lundi avec le passage de 7 chefs de département ministériels. Hier déjà, la commission AIAI a bouclé l'exercice avec l'audition des ministres des enseignements secondaires et celui du travail et de la sécurité sociale. Plus cher Yaté. 6 membres du gouvernement ont été auditionnés hier par la commission AIAI, et parmi les derniers passages, on note celui du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Ouna a défendu un projet de budget dont le montant global est de 5 492 millions de francs CFA. Cette enveloppe sera dédiée à la réalisation de 3 programmes. Nous allons poursuivre d'implémenter la sécurité sociale pour le plus grand nombre de Camerounais. Ensuite, pour la protection du travail et le travail décent. Et nous allons essayer enfin d'améliorer la gouvernance dans tout le sous-secteur. La couverture santé universelle sera une
grande priorité. Peu avant le ministre du Travail, le ministre des Enseignements secondaires s'est livré au même exercice. Le professeur Nalova Lyonga sollicite un budget de 388 milliards, 54 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de 4 programmes, dont le renforcement de l'accès aux enseignements secondaires à travers la construction de salles de classe, ateliers et blocs administratifs. Il s'agira par ailleurs d'améliorer la qualité de l'éducation et la vie en milieu scolaire, la professionnalisation et l'optimisation de la formation, la gouvernance et l'appui institutionnel. Attendu ce lundi, le passage du ministre du Commerce, de l'Habitat, de l'Élevage, de l'Environnement, de l'Industrie, des Travaux publics, des petites et moyennes entreprises. Maïkano Abdoulaye est le nouveau président de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA. Le général de brigade nigérian est installé dans ses fonctions en ce moment à Yaoundé. La cérémonie est présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo. Où en est-on à l'instant de ce côté? Question à notre reporter Evariste Yenga en direct du siège de l'OSMA à Yaoundé. Bonjour Evariste. Mesdames et messieurs les membres. Bonjour, le siège de l'Organisation du sport militaire en Afrique porte les couleurs de fête, les parures de célébration. Ce jour avec l'installation du nouveau président de cette organisation associative qui met en commun les pays africains membres qui ont souscrit à cette organisation qui a pour vocation la promotion des activités physiques et sportives des forces armées avec objectif principal. Pas celui de promouvoir la paix. Il y a cet article qui est incontournable. Aucun des pays membres ne devrait attaquer l'autre en cas de guerre. Donc tout devrait s'achever dans la paix. C'est l'objet de l'organisation du sport militaire en Afrique. Et aujourd'hui, c'est Maïkano Abdoulaye, le général de brigade de nationalité nigériane, qui va prendre donc fonction ici au siège de cette organisation. Basé à Yaoundé. La cérémonie est présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo, qui est arrivé il y a quelques instants ici. Et la cérémonie a débuté par l'hymne national du Cameroun et puis le salut de la flotte, c'est-à-dire l'honneur aux différents drapeaux qui sont en honneur aujourd'hui. La cérémonie va se poursuivre par des prises de parole, ensuite les échanges et la signature entre les présidents sortants et entrants de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Pour le 12h, Evariste Yenga, CRTV. Merci à vous, Evariste Eyenga. Pour des élections régionales en toute sérénité et une fin d'année paisible dans la région de l'extrême nord, le ministre de l'Administration territoriale engage les autorités administratives, les populations et les forces de défense et de sécurité à travailler en synergie. Pour la Tangandi, tenez à Maroua une réunion spéciale de sécurité. Oswald Medoum pour les détails. Les défis sécuritaires qui interpellent l'extrême nord ne manquent pas. À côté des festivités de fin d'année ou encore les soubresauts d'une secte Boko Haram en perte de vitesse, il faudra aussi compter avec la crise sanitaire qui joue les prolongations. Et même s'il y a des raisons d'être satisfait, la vigilance doit être de mise. Il y a encore des défis sécuritaires. La région est globalement très calme, mais il faut beaucoup de vigilance, n'est-ce pas, pour préserver les acquis. Le principal défi reste cependant l'organisation des premières élections régionales. Aussi dominante convient-il les autorités de la région à forces of law and order as well as the administrative authorities for Wales. Aux hommes politiques, nous leur avons dit qu'il y a une élection des conseils régionaux le 6 décembre. Nous devons tous, ils doivent se mobiliser pour cette élection parce que c'est un processus important qui a pour avantage de parachever la mise en place des institutions prévues par la Constitution. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, tient à ce que ces élections se déroulent dans de très bonnes conditions, dans la transparence et dans la sérénité. Mais l'efficacité de la sécurité ne saurait être garantie sans l'implication de la population. Un rôle que les populations, rang desquelles les comités de vigilance et les transporteurs par mototaxi, ont su jouer jusqu'ici. Ces derniers ont d'ailleurs été encouragés par le ministre de l'Administration territoriale à œuvrer en citoyen modèle. Cela passe aussi par leur identification, une meilleure organisation, mais aussi l'observance stricte des mesures barrières face à l'ennemi invisible mais dangereux qu'est le coronavirus.
Un nouveau contingent d'élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature est nommé désormais apte à servir le Cameroun avec honneur et fidélité. Ils viennent d'achever 45 jours de formation militaire en Gaoundal dans la région de l'Adamawa. Les parchemins de fin de formation leur ont été... Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé Salmon Kankili Babalé de CRTV Adamawa. Le pas bloqué, le regard plus vif, ce nouveau contingent d'élèves de l'ENAM, formé au CPFAN de Gaoundal, a désormais de quoi voguer vers une carrière professionnelle irréprochable. Ce que nous avons reçu ici en tant que formation militaire nous a permis de grandir. Actuellement, nous avons un mental d'acier. Nous sommes déjà parés pour servir la République. À la hauteur de leur bravoure, les 10 premiers de cette cuvée de l'ENAM, toutes sections confondues, reçoivent leur parchemin et des mots d'encouragement des autorités militaires et gouvernementales présentes. Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience pendant 45 jours. Et je viens de constater qu'au bout de ces 45 jours, là maintenant, j'ai des enfants totalement différents de ceux que je libérais à Yaoundé il y a 45 jours justement. Comme tous les ans, la nuit de revoir aux élèves de l'ENAM présente les allures d'une veillée d'armes. Occasion de rappeler à ces futurs cadres de l'administration qu'ils sont et resteront des soldats de la rectitude morale. Et dans le reste de l'actualité, mesdames, messieurs, il se tient en ce moment un cours sur le droit de l'apatridie et de la nationalité à l'Université catholique d'Afrique centrale, initié par l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés et l'UCAC. Ce cours en visioconférence consiste à mieux éclairer les pays réunis à travers l'application Zoom sur les notions d'apatridie et de nationalité afin que l'établissement des actes de naissance soit de plus en plus vulgarisé dans les pays en voie de développement. Une situation de plus en plus récurrente chez les personnes réfugiées prennent part à ces échanges. Le recteur de l'UCAC, des missions consulaires, des hommes de droit, mais aussi des étudiants en cycle doctorat de différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Nous y reviendrons. Et il faut préciser qu'au lancement de ce cours francophone sur l'apatridie et la nationalité par visioconférence, le représentant du HCR au Cameroun explique les bien fondés de cette formation pour éradiquer d'ici 2024 le phénomène d'apatridie. Écoutons-le au micro de Laetitia Onana. En Afrique, il y a beaucoup d'enfants, on en a parlé il n'y a pas longtemps à l'Assemblée parlementaire, qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous avez aussi des personnes qui n'ont pas de documents d'état civil. Et toutes ces personnes-là, parce que soit elles se déplacent comme les nomades, soit parce qu'ils se déplacent à cause des conflits, soit parce qu'ils sont dans des endroits tellement reculés qu'ils ne peuvent pas enregistrer leurs enfants aux actes d'état civil, toutes ces personnes un jour peuvent être à risque d'apatridie, c'est-à-dire sans nationalité. Ils n'auront pas de passeport, pas de carte d'identité. Et à partir du moment où vous n'avez pas de nationalité, ben vous n'avez aucun droit. La nationalité, c'est le droit d'avoir des droits. Il faut que les jeunes s'approprient de cette question. Il faut qu'on connaisse ce phénomène-là. In this connection, we should avoid stigmatizing. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And in politics, 6 days to the maiden regional council elections in Cameroon, the National Anti-Corruption Commission, CONAC, has put up a mechanism to denounce any form of corruption. A hotline, 1517, is now operational to report any malpractice relating to the December 6th election. Ebenezer Akanga was at CONAC to see how the election watch unit functions. This is the hotline office of the National Anti-Corruption Commission, CONAC. It is in this office that calls denouncing acts of corruption relating to the regional council elections are received. There are 4 terminals in the office, meaning that 4 different calls can be received at the same time. For now, we have had about 100 denunciations coming from all the regions that we have covered during this campaign. To CONAC,
People who corrupt their ways to the regional councils cannot bring the development highly expected by the population. If we can find something like that, we will be informed and we will send to the field those who are competent so as to do the work about that and send them to the courts so as to respond about what they have done. To denounce any act of corruption relating to the regional council elections, therefore, call the Konak toll-free number 1517. And the campaigns ahead of that election continues in the field. And talking education now, an educative talk on law and nationality opens today at the Catholic University in Central Africa, UCAC in Yaoundé. It is an initiative of the United Nations Organization for Refugees and the university as a whole. The exchange, as you can see, is holding via video conferencing given the global health crisis, with experts throwing more light on these key aspects today. In attendance are the rector of the Catholic University, the United Nations representative, lawyers, as well as the students of that institution. Our reporters in the field, Laurence Okalia and Joyce Tata, will be giving us the details in our subsequent news editions. And Sidwan, we continue in the French language. Naturellement, et nous nous rendons dans les établissements scolaires, du matériel didactique pour une vingtaine d'écoles primaires publiques de Nsopara Konolinga dans le Nyon et Fumu région du centre. Le don est des élites de cette localité, un don remis le week-end à Nsopara au chef d'établissement, Étienne Pascal Azegui, pour les détails. L'école publique de Mvaneso marque le début de l'opération de soutien des élites Nsor dans l'arrondissement d'Akonolinga. Plus d'une dizaine de directeurs d'école vont recevoir un kit pédagogique constitué du matériel de géométrie, des bics, des dictionnaires, des cartes géographiques, entre autres. L'élan de cœur des fils et filles du groupement Nsor vient alléger la tâche de ces seigneurs de la craie. Et comme vous l'avez vu, tous les directeurs d'école ont été mobilisés, les parents d'élèves, mais également les populations. Donc c'est important pour nous, pour essayer de faire en sorte que la qualité de l'enseignement soit améliorée dans nos écoles. À chaque étape, les responsables d'établissement ont égrené le chapelet des doléances liées à leur cadre de travail. Effectivement, il y a des difficultés. L'important est quand même d'apporter, en complément de tout ce que peut faire le gouvernement de la République, l'essentiel est de dire que l'éducation de nos enfants dans la communauté Sor apportera forcément le développement. Les élites Sor ont compris qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. As announced at the start of this newscast, we are now taking you to a unique discovery of a spectacular work in Mayo Kane Division in the far north region of the country. Standing tall like a royal cobra in a Boboyo, this gift of nature continues to attract tourists and lovers of reptiles from far and near. Inhabitants of the locality say the cobra rock, which has been around for the past 35 years or so, has been sculpted by nature. Let's now follow our guide Ayukjun Ashu to the discovery of this unique site. The Cobra Rock of Boboyo in Mayo Kane Division of the Far North Region is enticing, auspicious and awesome. For many years now, it has been subject of attraction and wonder. The imposing rock, shaped like the head of a spitting cobra, holds visitors spellbound, while locals see this geographic feature beyond the natural. This is an ancestral legacy for us. It is more or less like our deity. Although we no longer worship it today, it is full of history and symbolism. Just about an hour's drive from Marwa, chief town of the Far North region, it is believed that the Cobra Rock engloves wisdom, knowledge and integrity attributed to the people of Boboyo. Little wonder, therefore, that visitors and tourists keep pouring into this locality to savor the marvels of nature, especially during these summer holidays. Visual romance with the Cobra Rock is free of charge, and a try shall convince even you. Et le sport, avant de clôturer ce journal, Ligue des champions africaines, PWD de Bamenda manque son entrée en compétition.
Le représentant camerounais a été battu 1-0 hier dimanche par Kaizer Chiefs de la République sud-africaine. Ce match a laissé jouer au Limbe Omnisport Stadium. Résumé du match avec Evariste Eyinga. Des occasions de scorer en n'en plus finir. Mais pas de but pour PWD de Bamenda. Comme ici, en première manche, Choua est plutôt tendre à la finition. Son coéquipier Enyeger, sur cette frappe, sert du pain béni au gardien sud-africain. L'autre tentative est placée au-dessus de la barre. La même maladresse est au rendez-vous à la deuxième période. Des frappes n'importe où de Basile Yankam. Une tête de Maïdi qui rase le poteau. Mba, attentiste en contre. Contre-attaque ou encore une tête détournée en corner des Toumelong Koumé. Kaizer Chiefs va réagir par deux premiers signaux. Un lob mal cadré de Leonardo Castro. Puis une partie de billard où le gardien Achou Kirido réussit un sauvetage après une mauvaise relance. Mais à la 83e minute, l'irréparable se produit. Eric Météou reprend le centre et trempe Kirido. 1-0 pour l'équipe sud-africaine. PWD de Bamenda obtient un pénalty, mais Mohamed Bakary se voit refuser l'égalisation par Etou Mendeng, le gardien sud-africain. PWD est battu 1-0 en manche aller, mais le représentant camerounais n'est pas encore éliminé. Il lui faudra battre l'équipe de Soweto en inscrivant au moins 2 buts le 4 décembre prochain à Johannesburg. And we hope they will perform better during the return leg games. And it's with that story we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast, the first of the week. Thanks so much for your kind attention. Sidwan Monkam and myself will be back tomorrow with more news. So Sidwan, so have a beautiful day ahead. À demain, Diane Gassa. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur la CRTV. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.